Salut YouTube, ça va? Bah moi ça va aussi. On va sur le multijoueur, on va voir un peu ce que donne le multijoueur. Multijoueur, multijoueur, multijoueur. La saison 1 est commencée. Alors attendez, 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 avant, avant, avant. Est-ce qu'on a un récap? Données joueurs, classement multijoueur. Voilà. Division. Bronze, récompense, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Mais il y a mes stats normalement. Profil joueur, voilà, c'est ici. Division actuelle. Chat qui. D'accord. Le Panthéon et les notifications. Ouais, je voyais un truc plus complet que ça en fait, enfin, je sais pas. Ouais, goût. On verra bien. Il semblait qu'il y avait autre chose qui nous permettait de suivre un peu notre évolution sur le multijoueur. Bon, j'attends beaucoup aussi le multijoueur privé, hein, de pouvoir organiser des parties. Ce serait bien qu'il y en ait qui me rejoignent quand on se fera du multijoueur privé. Alors le truc c'est que est-ce que ça va trouver des joueurs? La dernière fois que j'ai lancé une recherche, j'ai réussi à trouver quand même des joueurs. Je me rappelle que juste un peu avant, juste un peu avant en fait, ça trouvait genre personne. Ah nickel. Ça a mis un peu de temps mais nickel. Et c'est que des joueurs qui sont pas classés comme moi. En plus de fonctionner le multijoueur. Il y aurait un système de matchmaking qui nous met avec des gens de notre niveau. C'est beau ça. Ou alors les insignes sont complètement pétés et ça représente pas du tout leur vrai niveau. Voilà, ça me semble un peu bizarre qu'il n'y en a aucun qui soit classé. C'est dommage que de pas l'avoir tout de suite le privé. Mais de toute façon, quand le jeu est sorti, il n'était pas fini. Puis il n'est pas encore complètement fini. Malheureusement. Mais c'était déjà le cas de Fusion. Fusion à l'époque, il n'y avait pas de multijoueur. Le multijoueur était prévu, mais il n'était pas dispo quand le jeu est sorti. Il est sorti 6 mois après, le multijoueur sur Fusion. Et à l'époque, devait y avoir du cross-network et il n'y en a jamais eu. Là, on a quand même le cross-network. Et le multijoueur dès le début. Ah, il y en a un qui est en or. Ouais, donc ça m'a quand même mis avec des gens pas classés. Donc peut-être que le système de matchmaking fonctionne. C'est or ou c'est bronze, l'autre? Ah, il y a argent aussi. Ah oui, il y a deux argents. Putain, j'ai du mal avec la différence de couleur entre le argent et le pas classé. Go. Ah, bon, ça, bon, ça, bon, ça, bon. Fait chier. Dommage, je commençais bien, j'étais premier, premier ou deuxième. Et je fais des conneries, je fais des conneries. Quatrième, mais c'est dommage, j'aurais pu être premier ou deuxième. Si je m'étais pas vautré comme une daube. Trois manches, hein, y a moyen de remonter. Après, en même temps, si jamais je fais que des victoires, c'est pas forcément bon, hein, pour me classer. Parce que je me classe directement dans une grosse catégorie et après, je vais me retrouver face à beaucoup de gros joueurs.
Je sais pas c'est quoi hein, les noms de pistes. Ça me parle pas du tout. J'espère tomber sur une bonne. Antis, évidemment. Donc ouais, vous voyez, JRCCM, argent, Stairway, argent. Moi, pas classé. Ah, Stairway aussi, pas classé, je crois. ARG, argent, Joker, or, et Fenton, pas classé. Je crois que c'est ça. Gris clair, vous n'êtes pas classé. Quel con! Je pensais qu'il fallait aller pas trop vite. Là, il fallait aller pas trop vite. Le mec sur la bouée, ça m'éclate. C'est tellement mauvais cet envolé. Si j'avais su. J'aurais pu le griller si je m'étais pas envolé si haut. J'ai perdu au moins 2 secondes en l'air. Ouais, c'est mieux, mais bon. Pas top. Vous voyez le temps passé en l'air? Faut freiner juste avant de décoller pour atterrir le plus vite possible. Regardez le personnage, il est bugué. Il était complètement dans le guidon. Bon, du coup, je remonte à la deuxième place du classement général. Par contre, j'aurai pas la première. Hein. Joker, 2 fois premier, c'est mort. À moins que là, il soit genre 4e ou 5e. Et que moi, je sois premier. Et encore. Feu de tout bois, et bah, feu de tout bois, allons-y. Par contre, il n'y a que des pistes en facile, j'ai l'impression. Alors après, ça dépend peut-être aussi de la catégorie dans laquelle on est classé. Comme là, c'est beaucoup de joueurs pas classés ou argent. Peut-être que du coup, ça nous propose des pistes faciles. Peut-être que si jamais j'étais avec des joueurs or et que j'étais moi aussi joueur or, peut-être que ça proposerait des pistes moyennes. Pas trop comment ça marche pour les... pour le choix des difficultés de piste. Bon après les faciles au moins je les connais. Enfin je les connais. Je les ai faites au moins une fois. Ah oui si celle-là je vois c'est laquelle. Elle est sympa. J'ai eu une D5 au niveau de l'image, elle est trop bizarre. On aurait dit que la synchro verticale elle marchait plus sur le jeu. C'est pas ce qu'a fait que j'ai failli me vautrer. Hein. Mais ça l'a fait au moment où j'ai failli me vautrer. Là il y a un écureuil sur le train pour ceux qui chassent les écureuils sur le jeu. Dommage. Bon, je finis sur un top 3 quand même. Deuxième. C'est pas mal. J'espère que ça va pas être trop long pour savoir en quoi je me classe. C'est peut-être en fonction de ce que tu as débloqué en solo. Ça permet de connaître un minimum les pistes sur lesquelles tu es en multi. Peut-être, ouais, je sais pas. Non, 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 je crois pas. Quand je suis arrivé sous le jeu, les premières heures, pour la deuxième heure, je crois que j'avais fait le jeu. J'ai été en multi pour voir un peu ce que ça donnait. Il y avait des pistes que j'avais pas encore faites.
Donc je me classe directement argent presque or. C'est ça? Cool. Je pensais qu'il aurait fallu faire au moins 4 ou 5 parties, mais dès la première, on est classé. Je crois, hein. Trouver une autre partie, oui. On va voir. Ben, il est de la même couleur là, mon badge, non? Ouais. Du coup, maintenant, ce sera des argents mini. Pas forcément, parce que moi, j'étais pas classé. Il y avait des argents tout à l'heure. Il y avait même un or. Mais ça va me placer, je pense, hein, si jamais le jeu est bien fait, mais ça m'étonnerait très honnêtement qu'un multijoueur soit bien fait par Ubisoft. Mais si il était bien fait, ça me mettrait avec des joueurs argent ou un petit peu plus, un petit peu moins. Après, ça c'est difficile de trouver des joueurs sur le jeu, donc en même temps, s'ils calent vraiment sur notre niveau. Ça peut être compliqué pour certains. Genre ceux qui sont ninja, ils trouveront jamais personne quasiment. Et ceux qui sont très très bas auront peut-être du mal à trouver. En gros, ceux qui seront argent, or et platine trouveront plus facilement que les autres. Ne sais pas. Ouais, donc si je suis bien argent, il est plus gris. Il est couleur argentée. Regardez Warp et regardez-moi. Donc quand je serai or, ça ira mieux. Encore du mal avec argent et pas classé. Et il n'y a pas de bronze par contre. J'ai pas vu de bronze. Il doit y avoir bronze. D'accord. Oh! J'ai tombé! J'ai tombé dans la tomate! Qu'est-ce que c'est que cette piste de merde? Il y a des gens qui rigolent en dessous. Je me rappelais plus de ça. Bah oui, parce que tout le monde glisse à cause des tomates. Bon, ça a aucun impact hein, sur la moto, hein. Qu'on passe dans les tomates ou pas, l'adhérence reste la même. Pareil quand on est dans la neige et tout ça. Heureusement. J'ai pas compris là pourquoi elle s'est déclenchée avant là, la bordel. Nickel, deuxième. Oh, c'est le Joker encore, premier. Il me suit, il me suit. De partie en partie, il est là. Elle est pas évidente cette piste là, avec tous les trucs là qui bougent. Je l'avais fait une fois. Je l'avais fait une fois ou deux dans le mode solo, je crois. Je me rappelais même plus qu'elle existait. Bronze, c'est le gris foncé. Donc en fait, on est tous bronze au départ jusqu'à ce qu'on se classe. Et soit on y reste, soit on monte en argent. Par contre, j'espère que c'est en fonction de ce qu'on fait en multijoueur. Que c'est pas plus on joue et plus ça monte. J'espère que c'est le skill et pas un système de rank. Où on gravit les échelons en jouant beaucoup. Très très con. Objectif or. Hein. Je veux me classer à rank or en multijoueur minimum. Warp était bronze, d'accord.
Je sais pas si jamais je dois sauter haut ou pas en fait à chaque fois. Comment je les ai rattrapés d'un coup de ouf! Et regardez Joker, il est sixième, c'est génial! Là, je reprends la première place avec une bonne avance sur lui, vu qu'il est dernier. Putain, c'est bon. C'est ma game. C'est ma game. Celle-là, c'est ma game. Je finirai premier. Regardez, j'ai 5 points d'avance sur lui. Ouais, c'est pas ouf. 5 points d'avance, c'est gagné. C'est ma game. Si je fais pas n'imp, c'est ma game. Premier, deuxième ou troisième, je gagne. Ouais, premier, deuxième ou troisième, je gagne, je crois. Donc on va la jouer, safe. Pas trop rapide. Juste faut pas que je me vautre en fait. Les autres sont nuls. J'arriverai à passer devant eux. Ah regardez, je suis passé hors. Ah c'est bien, la mise à jour du classement, elle se fait en temps réel. Ah putain, c'est bon ça. Ah il s'est viandé. Chut. Ah putain. Je pensais qu'il fallait que les matchs finissent pour que ça monte au niveau du classement, mais non. En cours de match. Foutu karma. Foutu karma. Putain de sa race. Je peux te dégoûter. Ah, il est plus là, Joker. Il a rage quitte. Il y a peut-être moyen que je rattrape les autres quand même. S'ils se vautrent pas, c'est mort. Non! Oh la vache, c'est nimp! Ah, je suis une merde. J'étais premier avec de l'avance. Je vais finir deuxième. Oh, premier ex aequo. Ah, j'ai chié dans la colle. Ouais, je pensais que l'autre allait me rattraper. Bon, bah, on route vers platine, mais ça me fait peur, hein. La barre qui monte, là, comme ça. Ça me fait peur. On a l'impression que la barre se remplit et puis je vais finir ninja, en gros. En faisant 10 parties, je vais finir ninja. Il faudrait que je fasse une partie de merde, mais vraiment une grosse partie de merde. Genre, je suis dernier sur toutes les courses pour voir si jamais je repasse en argent. Je le ferai pas, mais faudrait pour tester. Ouais, c'est sympa en online. Il est bon le jeu online. Il manque le mode privé pour qu'on puisse éclater ensemble, mais... Là, en fait, il y a moyen qu'on joue, mais genre, il y a moyen qu'il y en ait un ou deux qui me rejoignent. On lance en même temps la recherche et on tombe ensemble. Mais faire une partie à 8 comme ça, c'est impossible. On peut réussir à se capter à 2 ou 3, mais pas à 8. Time Saver, économiseur de temps, une trajectoire qui court-circuite ou négocie très rapidement. Quelque chose.
Quand il y a deux joueurs premiers, la récompense n'est pas moindre. Peut-être. Je pense qu'ils font aussi en fonction de ce que je fais sur chaque piste. Donc là, en faisant deuxième, premier et dernier, j'ai perdu des points à cause de l'autre. Cool. Putain, mais quelle poisse! Oh, et merde, ça me saoule. Je sais pas comment c'est possible de faire de la merde comme ça. Oh là là, je me tue au nez des fois. Quelle merde. Ouais, elle est pas si dégueulasse que ça, la piste. Le truc, c'est que je l'ai fait tout à l'heure, je la connais et je foire dès le début. C'est honteux. Du coup, on va pouvoir voir si jamais on dégringole au classement en faisant de la merde. Ah, c'est ouf, hein. C'est tout ou rien. Et celle-là, c'est la bonne. Partie va être merveilleuse. Allez, go. Ça galère un peu au chargement des fois, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le jeu de mon côté qui charge mal ou si c'est uniquement lié au réseau. Mon mauvais.
sais pas si ça rétrograde. Ah non, ça rétrograde pas les points au classement, mais. Mais là, du coup, on va le voir si jamais. Ah, il y a du moyen. Là, du coup, on va le voir si jamais il y a moyen de descendre au classement. Toujours or, hein. Et on va voir si jamais on a du malus. On voit la barre à chaque fin de partie qui monte. Et on voit ce que ça a gagné. Là, on va voir si jamais ça a descendu. On dira que c'est pour le test, que je me suis sacrifié. Qu'est-ce que c'est que ces... des trucs bien chiants, là. Oh non. Hey, mais elle tombe comme une merde la moto de là. Pourquoi il tombe sous le dos? Ah y est. C'est casse-couille. Donc là j'ai fait dernier. Ah oui, on perd. On perd par contre, on perd moins que ce qu'on gagne. Ah non, j'avais gagné 160 points tout à l'heure. Et là j'en ai perdu 227. Ouais non, mais si c'est bien. Donc c'est bien le skill, le badge. Bon bah je continue. Et ce coup-ci je vais faire une bonne partie, vous allez voir. Je ne parle plus d'ailleurs. Juste je vais... me concentrer durement. Vous allez voir, je vais les déglinguer. Je sais pas pourquoi ça a relancé. Bon, en tout cas, c'est cool. C'est cool, ça trouve des joueurs. Et en plus, il y a un système de rank qui a l'air pas trop mal fait. Et le matchmaking a l'air de nous placer avec des gens plus ou moins de notre niveau. Après, on verra quand je serai un peu plus haut au niveau de l'or. J'y arrive. Là, c'est cool, c'est que des gens qui sont classés en... Ah, oh, je suis argent ! Mais pourquoi je suis argent ? Je suis retombé argent ? Mais c'est n'importe quoi ! J'étais encore or ! Bah oui, j'ai rétrogradé, mais... J'étais encore en or. J'ai perdu des points, mais j'avais de l'avance. Bizarre. Bizarre. Je suis toujours or. Non, je suis encore... je suis argent, là. Ah si. Ouais, c'est trop bizarre. Mon badge, il était en argent juste avant. Bizarre. En chargement, on voit pas le vrai truc, c'est ça ?
Allez, après ce coup-là, j'arrête. Un jour de trial à 2 h du matin. Ouais, tu m'étonnes. Allez, concentrement, concentrement. Là, concentrement. Deuxième? Ah, deuxième, mais de justesse, à mon avis. Je pensais que j'étais premier, il y avait de la D5. Le fantôme du premier était derrière moi. Et il a fait un meilleur chrono. Avec un petit peu de concentrage, ça va mieux. Pour continuer le concentrage. Hein. Zone BTP. Ah, c'est le nom de la piste validée! D'accord! Tout à l'heure, je pensais que c'était une piste que moi j'avais validée. Ok. Mais non, c'est le nom de la piste. Je vous jure, je croyais que c'était marqué validé parce que je l'avais validée la piste. La stabilité, la linéarité. La linéarité, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Deuxième, deuxième, deuxième vaut mieux que premier. Quatrième, deuxième, vous voyez ce que je veux dire? Objectif, faire un bon chrono, mais pas non plus buter pour le premier. Par contre, je me demande comment que ça se passe s'il y a moins de joueurs. Genre si on commence à 8. Et puis qu'on finit à 2 et que je suis deuxième. Est-ce que je gagne autant de points que si jamais j'étais deuxième sur 8 ou autant que si j'étais huitième sur 8 du coup, comme je suis dernier? Fait chier. Fait chier, troisième. Ah non, deuxième! Oui, la D5, la D5, la bonne D5. Je croyais que j'étais troisième. Lui, il vole, lui, hein. Il a tellement de D5 qu'il vole. Le mec de chantier qui est assis dans le vent. Et l'autre qui est en train de se perforer le pied. Ah, je suis premier! Pourquoi je suis premier? Je suis premier, on s'en fout. Premier ex aequo. Nickel, live action. Je la connais un peu. J'arrive à être premier, deuxième.
En fait, il faut juste que j'évite le Dead Pigs. Faut que lui soit pas premier. S'il est pas premier, c'est bon. Enfin, à moins que je sois troisième. De la D5 de ouf sur le jeu. Nickel. Royal. Ah, je la connais un petit peu la piste là. Je l'avais retry. Je l'avais retry par un moment, je sais plus pourquoi. Je voulais essayer de choper le platine en fait. Victoire! C'est un rage quit ce jeu, les mecs se barrent. Ah, il est rageant comme jeu, il est rageant. Après, c'est un peu con, mais petit joueur, il y a que 3 courses. Donc... 111 points, vous voyez, j'en ai perdu 277 tout à l'heure, ou 267. Et en arrivant en premier, j'en gagne que 111. Après, il y a eu deux fois que j'étais deuxième. Peut-être que ça joue. Mais quoi qu'il en soit, on perd plus que ce qu'on gagne en fait. Hein. Donc c'est plus long de monter que de descendre. C'est cool, tant mieux. C'est comme ça que ça devrait être pour tous les jeux multijoueurs. Le rank devrait se calculer comme ça avec le skill et tu devrais plus facilement descendre que monter. Pas assez de joueurs pour poursuivre la compétition. Ben oui, ben c'est pas grave, je vais me coucher moi. On aura le cul de vos conneries. Hein? Bordel. 1758, c'est quoi? Ah merde, 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 merde. Ah, c'est le nombre de joueurs! Il y a 1758 joueurs en ligne. Ça doit être ça, je pense. Ah, pas mal. Ils ont bien fait de rajouter ça aussi. Ça y était pas au début, hein. On lançait à l'aveugle. C'est pas ouf, 1758 joueurs, mais il est 4h du matin. Nous sommes mardi. Bon, en Europe, il n'y a pas grand monde qui joue à cette heure-là. En Amérique, il y en a un peu plus, je pense. Mais c'est pas ouf quand même. Pour un jeu multiplateforme, c'est pas ouf. Quoique, je sais pas s'il y a du cross-network en vérité. Parce que regardez, tout ça c'est des joueurs Xbox. Non, on n'est pas mercredi, on est mardi. Mardi soir. On n'est pas mercredi matin. On n'a pas dormi. Ah, regardez, j'ai débloqué une tenue de cow-boy. Putain, j'ai débloqué une tenue de cow-boy. D'accord. Et en fait, si on est ninja, enfin top, au-dessus de diamant, on déverrouille la tenue complète, en gros, avec les gants, le haut et le bas. C'est pas mal. Après, à chaque saison, il y aura un nouveau truc à débloquer, une nouvelle tenue. Bon, c'est pas ouf en même temps. Hein. Tous les 60 jours. Bah non, elles sont pas ouf. C'est décevant. C'est décevant les récompenses, je trouve. C'est assez décevant. Mais bon. Bah, je l'ai pas. What the fuck this?
Je les sélectionne, mais ils devraient être là en fait. Il faut que je clique pour les récupérer. Ah, j'ai rien à sélectionner. Non, il y a marqué débloqué et non, je peux rien. Rien sélectionner. Alors après, peut-être qu'elles sont dans les caisses de matos. Ah non, on serait très con. Serait très con. On les ouvre quand même, hein, mais c'est pas là-dedans, c'est certain. Faut peut-être avoir la tenue complète, ouais. Mais c'est un bizarre qui nous montre. Ouais, non, c'est naze. C'est encore plus naze. S'il faut avoir la tenue complète, ça veut dire qu'il faut être classé en au-dessus du diamant. Ah, mais c'est chaud, faut y aller quand même hein, pour réussir à avoir le rank là. Hein. C'est sur le skill, hein, c'est pas une barre qui monte, qui monte, qui monte. Hein. Par Rhino Moto Métallique, pas mal. Non, c'est naze. En fait, il y aura quasiment personne qui l'aura, quoi, la tenue. Devrait débloquer le fait de débloquer un truc quand t'es bronze, un autre truc quand t'es argent, un autre truc quand t'es or, c'est pas mal. Mais s'il faut être forcément ninja pour débloquer tout, non, c'est naze. Par contre, on dirait qu'ils ont rajouté des trucs dans les. Les caisses là qu'on récupère. J'aime bien la pierre tombale, elle est sympa. Les pièces triales par exemple, je me rappelle pas en avoir gagné en fait dans les caisses. Ah mais c'était des caisses de matos Challenger peut-être. Peut-être pour ça. D'accord, ah je pensais que c'était un truc pour moto. Ouais, je veux. Que c'est stupide. Que c'est encore plus stupide. Je veux. C'est tellement con. Ouais. Bizarre, bizarre, bizarre quand même, hein. Et le cadre, on n'a rien, non. Pour la Rhino, il y a le phare. C'est bien, on l'a deux fois. On va pouvoir en vendre un. Ah, il est sympa l'effet, là, comme ça. L'effet phare métallique avec les petites bandes et tout. J'aime beaucoup la texture métallique comme ça. Ça aurait été bien par exemple qu'on débloque des trucs comme ça en fait en multijoueur. Pas juste une tenue en fait, c'est léger. C'est super léger. Ça donne pas envie de tryhard le multijoueur en fait, si ce n'est pour avoir un bon skill. Enfin, ouais, si ce n'est pour avoir un rank assez élevé. Il présente que peu d'intérêt au final le multijoueur. Pareil, il pourrait nous donner des glands aussi, c'est tellement galère à avoir sous le jeu en multijoueur. Est-ce que j'ai accès à ma liste d'amis là-dedans? Platine, zéro joueur. Diamant, zéro joueur. Argent. Non mais c'est sérieux ça? Il n'y a pas de joueurs qui sont classés platine. Le mieux pour l'instant, c'est diamant.
Très bizarre. Hein. Ou alors ça a commencé aujourd'hui, peut-être la saison. Ça XP bien. Ah oui, ça rapporte pas mal d'XP, oui. En effet, j'étais 53 ou 52, je crois, quand on est arrivé sur le multi. On a joué à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, même pas. C'est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Non, c'est marqué fin de la saison 1 dans 61 jours, mais... Ah oui, récupère tes récompenses à la fin de la saison. Ah oui, bien vu. Ah putain, j'avais pas vu la phrase là. Non mais je sais pas, ça m'étonne en fait qu'il n'y ait pas mieux que platine, on dirait. Enfin, mieux que or. Si j'arrive à avoir le platine, je serai le premier au monde à l'avoir. Ben, je me couche pas, hein, je reste là-dessus perché. Jusque dimanche. Ouais, bizarre. C'est bizarre. Peut-être qu'on peut pas les voir parce que. Peut-être qu'on peut pas les voir parce que. Parce qu'on n'est pas encore platine. C'est quoi ça? Ah, c'est ici qu'on récupère tous les contrats et défis. Entre autres. L'eau large. C'est quoi ça, l'eau large? D'accord. L'eau pourrie. Regardez la bécane! Ah oui, d'accord. Ah, pas mal. Je vais acheter ça. Je veux! Je veux, je veux, je veux. 45. 45. Mais. Il y avait marqué. Ah oui, 45, je les ai pas. Là, c'est 30. Ouais, non, en fait. Le phare de ouf. Un petit nain avec un. Petit nain de jardin avec une lampe. Si j'avais 15, si j'avais 15 noisettes de plus, je l'aurais pris celle-là. Hein. Ouais, sympa. Donc la saison 1 a commencé le 22 mars. Elle a commencé le 22 mars. C'est une notification du 22 mars. Ouais, donc c'est un bug. C'est pas possible qu'on puisse. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de. Très chiant la leçon. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de platine. Ça, c'est ceux qui m'ont battu sur différentes pistes pour que je prenne ma revanche. C'est quoi ça, moto ou pas moto? C'est pas une. Je vais faire le vélo, tiens, c'est longtemps que je n'ai pas fait le vélo. Ah non. Et je l'avais pas testé le vélo en fait, je l'avais acheté, je crois. Mais pas testé. Ah non, rien à voir. Ah voilà, termine avec Helium. Vas-y. Vas-y, vas-y. Quand tu me laisseras sélectionner même ma bécane. On va finir par ça. Un petit petite course à vélo.
Mais ils me l'ont déjà sélectionné, peut-être le vélo, non? C'est ça. D'accord. Oh, ça devrait être assez facile, hein. Ça manque clairement de puissance, mais je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de puissance sur cette piste. Ah, mais je peux faire des fautes en plus. Ah, bah c'est très bien. Pas me faire chier, ça va être une petite promenade cette dernière course. Tellement léger le vélo. C'est bizarre à conduire quand même. Ah là, ça va peut-être être plus compliqué pour le bac. Ah d'accord, ok. Ouais, nul. Nul. Contrat nul. Et finir en stoppie. D'accord, bon, je vais finir en Willy. En Willy. En Willy. Ah. Ouais, bon, c'est pas aussi dur que le stoppie, mais bon. Au moins, j'aurais validé le contrat et on aurait essayé le vélo. Je l'avais pas essayé encore, je crois. C'est nul. C'est nul. C'est le vélo, quoi. Même sur Fusion, j'aimais pas à l'époque. C'est comme la mini moto. Quand on va la voir, on l'essayera une fois, mais je reviendrai pas dessus. C'est naze aussi. Et les trois motos qu'on a dans le jeu sont bien. Même si je préfère la Mantis. Mais le vélo, la mini moto. Le quad était sympa sur Fusion. Très lourd. Très facile à contrôler, mais surtout très lourd. Du coup, il était facile à contrôler et en même temps, on souffrait un peu de la lourdeur du véhicule. Là où sur le vélo, c'est complètement l'inverse. Il n'est pas forcément évident à contrôler. Très léger et très peu puissant. Et ça c'est chiant. Enfin bon bref, allez, le moment est venu d'arrêter là. J'ai fait assez de caca sur Trial pour ce soir. Ce fut une dure reprise, mais on reviendra dessus et on le continuera. J'espère juste qu'on va pouvoir débloquer les prochaines pistes sans trop galérer parce que les IA perchés super haut, c'est chiant, mais bon. Enfin bon bref. Salut YouTube!